Salut à toutes et à tous. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que les visiteurs dans un musée se précipitaient sur ce tableau en particulier? Pourquoi est-ce qu'il existait tant de reproductions de telle ou telle œuvre? Pourquoi est-ce que les livres d'art parlent tant de cette toile spécifique? En gros, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines œuvres sont-elles de véritables stars de l'art? Eh bien, avec ce nouveau format, je vous propose qu'on revienne sur le pourquoi de leur célébrité, de leur fame, afin qu'on essaye de comprendre pourquoi certaines œuvres sont considérées comme des chefs-d'œuvre et pourquoi elles sont connues. Et on commence tout de suite avec la star des stars, sans doute le tableau le plus connu au monde. Je parle bien entendu de la Joconde de Léonard de Vinci. Peinte entre 1503 et 1506 par l'artiste italien Léonard de Vinci, la Joconde est entourée d'une telle aura que la plupart des spectateurs, lorsqu'ils la voient pour la première fois IRL, sont déçus de la découvrir si petite. Et oui, le tableau ne mesure en effet que 77 par 53 cm. Et à première vue, c'est une simple représentation féminine, un portrait comme il en existe tant d'autres. Ses traits sont fins et beaux, ses mains sont graciles, ses habits sont élégants, mais ça ne suffit pas à justifier son statut de célébrité ultime. Pour la plupart, si la Joconde est si connue, c'est parce qu'elle est mystérieuse. Et le mystère, eh ben ça attire toujours la curiosité. Et d'où peut bien venir cet aspect si intrigant? Eh bien, tout d'abord, il provient du paysage qui se déploie derrière la jeune femme. Brumeux, fantastique et même fantasmagorique, ce paysage, il est conçu de manière à attirer le regard du spectateur vers les yeux de Mona Lisa. Regardez un petit peu comme ces derniers font la jonction entre les deux morceaux de la rivière. Ainsi, alors même que le visage de la Joconde est placé relativement haut dans le tableau, nous nous retrouvons plus ou moins forcés d'en faire son point focal. Également, si la Joconde est aussi énigmatique, c'est grâce à une technique picturale inventée par Léonard de Vinci, le sfumato. Elle consiste à fondre entre elles différentes couches de peinture, afin de donner au tableau final un aspect flou et mystérieux. L'œil du spectateur ou de la spectatrice essaye donc de s'ajuster à ces tons délicats, un peu comme quand on est face à un personnage faiblement éclairé. C'est pour renforcer cet effet que Léonard de Vinci a choisi d'utiliser une palette sourde et une gamme de couleurs restreinte. En renforçant leur intensité, il parvient également à suggérer l'opulence et la chaleur. Ainsi, malgré des tons plutôt froids, la jeune femme semble de chair et de sang. Comme a dit Giorgio Vasari, un peintre contemporain de Léonard de Vinci, au sujet de la Joconde, « Au creux de sa gorge, le spectateur attentif saisissait le battement des veines. » Et voilà, c'est pour ça que la Joconde est considérée comme un chef-d'œuvre et c'est de là qu'elle tient sa fame. J'espère que la première vidéo de cette nouvelle série vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page uTip. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.